litres en moyenne. Et on va dire que la lactation moyenne sur une Thérandaise, on est aux alentours des 3000 litres de lait. Voilà. Et donc les salaires traite également, on peut en retrouver qui montent un peu plus en lait, entre 5 et 6 000 litres, les meilleurs salaires traite. Moi, mes salaires, je n'emmène pas le veau dessous parce que toutes mes vaches sont à la même enseigne, elles ont toutes la même règle. Donc du coup, j'emmène pas le veau sous mes salaires, donc elles se tarissent plus tôt. Elles sont traites que pendant 4 mois, donc elles font un peu moins de lait, mais le lait est très très riche. Et donc c'est pour ça que les veaux se poussent bien et ça fait de la viande très très tendre. Voilà. Et prochainement, on va pouvoir avoir des produits laitiers. Mais il faut attendre que le labo de transformation se mette en route pour faire de la crème et du beurre. Voilà, c'est ça. On veut tout produire sur l'exploitation et voilà. Que... Allez jusqu'au bout. Voilà. Crème et beurre, oui, et les veaux également, pour éviter en fait de vendre les veaux à 15 jours aux marchands. J'aime bien savoir comment mes animaux sont élevés, comment ils sont soignés. Voilà, tous nos veaux ont un prénom, même si on sait qu'ils vont partir à l'abattoir. C'est pas pour autant qu'ils sont moins bien considérés que les vaches qui vont rester 15 ans chez nous. Voilà, on accorde beaucoup d'importance et c'est pour ça qu'on travaille avec un laboratoire artisanal. Parce qu'il faut que toute la viande soit valorisée. Il ne faut pas que la viande soit jetée ou qu'il y ait des déchets. Et donc pour tout maîtriser et être sûr que la viande soit bien valorisée.